Les gens qui n'aiment pas la musique ancienne diraient que c'est tout à fait éphémère, que ça représente, la mode. C'est beaucoup plus profond que cela. D'abord, la musique baroque, bon, qui commence en 1600, ça représente une mine d'or avec des compositeurs de très grande classe. Et le public a besoin de ça, comme les musiciens. Le public est mieux renseigné qu'il était il y a 50 ans, c'est évident. La pédagogie a fait vraiment des avances extraordinaires. On réclame non seulement Haydn et Mozart et Beethoven, mais leurs prédécesseurs. Bach, bien sûr, c'est le plus grand. Mais autour de Bach, il y a une trentaine de compositeurs allemands. On vient de découvrir, il y a quelques années, enfin, le XVIIe siècle, enfin, l'âge d'or, d'opéra en Italie. On a découvert tout dernièrement aussi les beautés de la musique française pour le théâtre. Et ce sont les goûts qui vont certainement rester. La musique est trop belle.